Nathan, bonjour. C'est un jour de quoi? C'est un jour de soleil. Faut que je m'achète une chaise de plage pour la maison en fait. Je me rends compte que j'en ai besoin pour ma santé mentale. Prendre le soleil, faut que je puisse prendre le soleil chez moi, c'est pas possible. Allez sur Amazon Brésil, je vais acheter ma chaise de plage. Là, il se passe quelque chose. Qu'est-ce que j'ai reçu? Ah, je suis trop contente. D'Albin Michel. Ah, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. Cet après-midi, j'ai dormi, j'ai mes règles en fait. C'est mon premier jour de règles, je sais pas si j'ai dit. Ah, j'ai un peu mal, je sais pas, super mal, mais un peu quand même. Du coup, je me masse ici, je sens bien mes ovaires, sa mère. Ah. Voilà, je me masse un peu les ovaires. Ça fait mal. Oh. J'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me massent les ovaires. Il n'y a pas des gens qui sont spécialisés là-dedans, tu vois, massage des ovaires. Quand t'as tes règles, tu les appelles, genre t'as une meuf, elle vient, et elle te fait que des massages là, du bas du ventre. Oh là là. Et elle te masse les ovaires. C'est pour ça hier que j'avais envie de mourir là, que ma vie c'était de la merde et tout, et que je mangeais n'importe quoi. Voilà, parce que j'avais mes règles qui arrivaient. Oh, je vais apprendre à mon mec à me masser les ovaires quand j'aurai mes règles. Ce sera son devoir. De me masser les ovaires, voilà. Contrôle qualité. Il y a Laure qui vient à ta maison. Hein? Il y a Laure qui est là. Ah, c'est moi. Ça va? Tu connais pas toi? Elena. Elena chérie, est-ce que tu pourrais mettre tes chaussures en dehors de ma maison? C'est comme par hasard, elle est des fois quand. Qui nous illusionne, faut pas non qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. Mais rien n'empêche que l'on s'abandonne, non. Tu fais des gâteaux ici? Le banana bread. Pour demain matin. Ah, vous faites le petit déj?
amis. Je suis trop contente, mes petites, elles sont heureuses. Je suis trop contente quand les filles sont bien. Quand dans la maison, il y a tout pour qu'elles soient. Nickel chrome. Bon, on essaye de faire marcher le micro parce qu'on voudrait faire des soirées karaoké. Mais on a un problème. Il faut que je demande à Leandro de l'aide. Pourquoi? Parce que on a une sortie comme ça dans le micro, sauf que j'ai aucun trou dans lequel ça va. Donc, il faut que je découvre quel est le trou où ça va. Et il faut que je vois si le projecteur, il marche là-haut chez moi. Nous allons découvrir ça ensemble. Parce que le truc, c'est que j'ai l'impression qu'il est vraiment très grand et qu'il faut que ce soit loin. Et mon espace à moi, il est petit, l'espace du projecteur. Donc, on va voir si ça marche ou pas là-haut. On y va. Bon, comme tu sais, il n'y a rien qui me casse plus les bonbons que la technologie. Putain, je vais trop être une vieille radasse plus tard. Tu vois les vieilles radasses là qui n'aiment pas la technologie. Putain, je suis deg. Alors, comment ça marche? Bon, il faut peut-être brancher d'abord. Déjà, premier problème, je suis un peu loin de la prise. Ok, je vais devoir chercher un truc pour avoir plus de... T'as compris. On allume le bordel. Eita caralho! E agora? Ei! Ah non, mais ça va en fait! Ah, la taille elle grandit selon. Putain, c'est trop intelligent ces trucs! Je suis dépassée par la technologie, c'est ouf! Oh là là, on a un écran, bordel de merde! Ça marche! Je n'avais pas compris que ça marchait comme ça. Non, mais t'as fonctionnando! T'as fonctionnando, caralho!